Thank you. Are you guys a bit sleepy? No. Are you sure? Well, I have to say thank you to TEDx because it's, I was amazed this afternoon to see the program, all different people from different fields, a lot of learning, a lot of experience, and a lot of knowledge. So I'm really pleased to be here. But today I'm not going to talk about science or data or babies, but I'm going to talk about ideas. And this is what I do every day. I play with ideas. And okay, I'm going to try to work that ticker. Yes. So I play with ideas because I work with people from different backgrounds. Actually, I'm speaking in English right now. Right? I'm supposed to speak in French. Okay, je vais changer en français. À tous les jours, je travaille toujours avec plein de gens de différentes professions. Et ces gens-là, leur but, c'est de trouver des idées. Mais ces idées-là, souvent, ce sont des idées qui vont vivre dans le futur. C'est pas des idées qui prennent naissance maintenant. Lorsqu'on travaille, par exemple, en data ou en science, ce sont des idées qui, tranquillement, pas vite, avec le travail de tout le monde, puissent prendre une ampleur et vivre dans le futur. Nous, toutes les choses qu'on fait, ça vit dans le futur. Pour moi, les créatifs, ce sont les gens qui bâtissent le futur. Qui parmi dans la salle croit que vous êtes des créatifs? Levez la main, ceux qui vous sentez créatifs. Pas plus que ça. Oh! Oui, yes, you're one. moi, je peux vous dire que vous êtes tous des créatifs. Le problème que vous avez, c'est que vous ne savez pas comment amplifier votre voix créative. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous donner, je vais vous donner 4 trucs pour amplifier votre voix créative. Parce que souvent, les idées, c'est des choses qui sont fragiles. C'est difficile d'avoir des idées. Puis souvent, lorsqu'on a une idée, on veut la garder. On la laisse dans nos petits calepins. On la garde près de nous parce que c'est comme un nouveau bébé. On ne veut pas donner l'idée parce que si on donne l'idée à quelqu'un, bien, il va peut-être faire de l'argent avec. Ou peut-être qu'il va la changer, la décorer. Puis finalement, on ne l'aimera plus l'idée. Mais au contraire, les idées, il faut les partager. Souvent, j'ai remarqué aujourd'hui en science, lorsque les gens ont des idées, on les partage. Les idées deviennent réalité parce que la collectivité a fait en sorte que l'effort commun fait en sorte que l'idée arrive, l'innovation arrive. Parfois, les idées, il faut être capable de les prendre, de les amplifier. Donc, la première chose qu'il faut se dire lorsqu'il faut amplifier une idée, c'est le contexte. Prenez votre idée, puis posez-vous la question, dans quel contexte ça va vivre? Souvent, les gens, lorsqu'ils ont une idée, ils sont tous fiers. Mais ils ne peuvent pas se dire exactement dans le futur où l'idée va prendre naissance. Par exemple, les gens qui ont créé Facebook. Les gens qui créent Facebook, la majeure partie des gens, ce sont des programmeurs, mais il y a aussi des UX designers. Ces gens-là, souvent, se posent la question, dans quel contexte les gens vont utiliser mon logiciel? Dans quel contexte les gens vont pouvoir interfacer avec l'information? Mais tout ça est dans un contexte. Si, par exemple, vous faites quelque chose, vous avez une idée, et l'idée va prendre naissance aux Jeux olympiques en 2020, ou si votre idée va prendre demain matin, lorsqu'il va pleuvoir, l'idée change complètement. Posez-vous la question à toutes les fois que vous avez une idée, dans quel contexte cette idée-là va vivre? Comment les gens vont la percevoir? Est-ce que cette idée-là va être pertinente dans le contexte? Souvent, lorsqu'on a des idées, on ne se pose pas ces questions-là. Fait que si vous avez un petit calepin de notes en quelque part, « It has to be highly contextual ». Si une idée n'est pas pertinente dans un moment, l'idée va mourir. Moi, souvent, je trouve qu'on a des fausses bonnes idées. Souvent, on pense qu'on a une bonne idée, et puis on travaille dessus, on met de l'argent, on met de l'énergie, puis en bout de ligne, on s'aperçoit que l'idée n'est pas bonne. Mais souvent, c'est parce que ce n'est pas dans le contexte. Fait qu'une bonne idée, souvent, va prendre toute sa pertinence dans le contexte. Mon deuxième point, c'est la culture. Les idées, souvent, naissent de la culture. Souvent, les gens se nourrissent leur processus de création par la culture. Et puis, par la suite, ces idées-là retournent dans la culture. Ces idées-là forment la culture. Si demain matin, notre société explose, et puis on est des archéologues, puis on cherche
qu'est-ce qui se passe après 20 ans de guerre nucléaire? On sort des artefacts de publicité, de panneaux, d'emballage, de produits. On réalise qu'on a un portrait de la culture. Donc souvent, ce qu'on fait, nos idées doivent se coller à la culture. Lorsqu'on a créé la campagne d'Adidas pour célébrer les 50 ans de l'originalité d'Adidas, on est allé chercher une vieille chanson de 1950 et puis on l'a ramenée à la saveur d'aujourd'hui. Faire en sorte que nos idées sont portées par la culture, sont amplifiées par la culture. À toutes les fois qu'on a une bonne idée, collisez un petit peu de culture alentour, puis vous allez voir l'amplification de cette idée-là. Très rapidement, les gens vont s'apprendre, vont l'appartenir. Il y a quelques années, on avait fait une campagne pour les Toronto Raptors, l'équipe de basketball. Souvent, les gens n'avaient pas l'impression de faire partie de cette équipe-là. On est arrivé seulement avec un petit slogan, « We the North ». Mais les gens ont tellement adhéré par la culture à cette campagne-là, que rapidement, les gens se sont fait des drapeaux, se sont tatoués ça sur leur corps, ils prenaient du masking tape, faisaient des banderoles partout sur la rue. Ça, c'est lorsque la culture prend l'idée. Sinon, l'idée va tomber puis va mourir. Fait qu'encore là, assurez-vous que l'idée est pertinente dans un contexte, puis donnez-lui la résonance par la suite par la culture. Puis des fois, c'est une question de qu'est-ce que je peux mettre alentour de mon idée pour la faire exploser par la culture. Que la culture puisse porter cette idée-là à l'extérieur des frontières. Mon troisième point, c'est « break a rule ». Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Présentement, ici, on me dit de venir sur le petit tapis rouge. OK? Mais si je décide de sortir du tapis rouge, là, ça gêne les caméramans, parce que là, ils sont obligés de me suivre. Si, mettons, je viens m'asseoir ici, à côté, de mon ami ici. Automatiquement, on n'a pas la même conversation. On n'a pas la même présentation. Moi, je dis toujours à mes créatifs, peu importe ce que vous faites, vous devez briser quelque chose. Just break one rule. Regardez votre idée, regardez ce que vous faites, et puis dites, qu'est-ce qui arrive si je brise une chose? Lorsque Steve Jobs a inventé l'iPad, pourquoi il a décidé de le mettre blanc? Pourquoi il a décidé de mettre les écouteurs blancs? Tout le monde se promenait avec des écouteurs noirs. Mais lui a décidé de mettre des écouteurs blancs. Il a brisé une chose. Pourquoi, lorsqu'on rentre dans un hôtel, on est obligé d'avoir la porte d'entrée, on rentre, la réception, le concierge à côté. Pourquoi qu'on est obligé d'avoir ça? Pourquoi qu'on ne peut pas bâtir un hôtel complètement différemment? Regardez à toutes les fois, lorsque vous travaillez dans un projet, peu importe la discipline, prenez le temps, arrêtez, dites-vous, qu'est-ce qu'on peut changer? Une chose qu'on peut changer. Est-ce qu'on peut changer la forme, la couleur, le contexte, le message? Des fois, c'est changer le message dans le contexte dans lequel on est. Des fois, c'est changer le format. Souvent, lorsqu'on consomme de la publicité, on est habitué de voir des messages 30 secondes à la télé. Qu'est-ce qui arrive si on fait un documentaire? Qu'est-ce qui arrive si on fait un message de 5 secondes? Qu'est-ce qui arrive si on fait des messages de 2 secondes? Changer des choses comme ça, ça fait toute la différence au monde. Mais souvent, on a peur de faire ça. Parce que la minute qu'on brise quelque chose, il y a quelqu'un à côté qui dit « Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des lois par rapport à ça. On n'a pas le droit de faire ça. » Puis là, on revient dans la norme, puis on revient sur mon petit tapis rouge quand on fait ça. C'est important de sortir de sa zone de confort puis de briser ces choses-là. Sinon, vous ne serez jamais différent. Votre idée ne sera pas différente. Lorsqu'on sort et on change une chose, non seulement notre idée devient différente, mais elle devient unique. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec un metteur en scène, un créateur très important au Québec qui s'appelle Robert Lepage. Robert m'a montré comment changer la perception des choses en brisant une ou deux petites choses alentour. On avait travaillé sur un projet qui s'appelait le Moulin Image, The Image Mill, à Québec, pour célébrer les 400 ans
de la ville de Québec. On aurait pu faire un spectacle, on aurait pu faire un film, on aurait pu faire une parade, un spectacle. Non, on a décidé de projeter un film sur des silos à grès, ce qui n'était jamais fait. Voir un film extérieur sur une grande surface architecturale. On avait brisé seulement une chose et ça fait toute la différence. Donc, rappelez-vous de ça, always break a rule. La quatrième, the art factor, qui d'après moi est la chose la plus importante si on veut faire quelque chose qui va rester parmi nous. Souvent, lorsqu'on travaille une idée, lorsqu'on travaille un produit, un projet, souvent on est pressé par le temps. Souvent, on a des contraintes technologiques. Souvent, des fois, on a des contraintes budgétaires et puis on ne pousse pas notre travail jusqu'au bout. Moi, je dis toujours à mes équipes, craft takes time. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Parce que les idées, c'est lorsqu'on amène ces idées-là à un niveau artistique que les idées demeurent, que la beauté rentre en ligne de compte. Lorsque vous voyez un spectacle, par exemple, un spectacle du Cirque du Soleil. Un spectacle du Cirque du Soleil, oui, c'est un spectacle circassien. Il y a une scène, il y a des gens. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la réputation du Cirque du Soleil a fait le tour du monde? C'est parce qu'il y a un art factor à l'intérieur. C'est qu'on a monté le niveau de l'expérience à un niveau artistique. Qu'est-ce qui fait que l'Expo 67 de Montréal, la biosphère, est devenue une icône? Parce qu'on a monté au niveau de l'art une structure architecturale. Tout ce qu'on fait, lorsqu'on pousse un petit peu plus dans la réalisation de la pièce, tout devient soudainement un niveau d'art, un niveau artistique, et lorsque ces choses-là atteignent ce niveau-là, tout devient pertinent. Les choses qu'on n'aime pas, on veut les tasser. Les idées qui sont pas belles, les idées qui sont pas inspirantes, on veut les tasser. Les idées qui n'ont pas changé notre société, on veut les tasser. Les idées qui sont pas pertinentes au quotidien, on veut les enlever parce que ça fait du bruit. Mais les bonnes idées, peu importe la discipline dans laquelle on fait, si on vient rajouter ces quatre points-là à l'entour, c'est là qu'on est capable de créer et changer le monde et faire des bonnes idées. Chez Sidley, on travaille constamment avec des idées dans le moment. On sert du data, on sert plein d'informations pour faire en sorte que nos idées soient meilleures. On bâtit des lieux, on bâtit des marques. Un jour, on va peut-être bâtir des voitures, j'espère. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de passer au travers de ces quatre étapes-là pour faire en sorte que les idées aient du sens. Parce que si on crée des choses qui ne font pas la différence, ça ne vaut pas la peine de le faire. Souvent, il y a des gens qui viennent me voir avec des idées, puis je me dis, ça, c'est des fausses bonnes idées. C'est des idées qui vont juste alourdir les choses. Mais si on prend le temps de passer au travers de ces quatre points-là, on va faire en sorte que nos idées sont meilleures, nos produits, et tout ce qu'on fait est une expérience beaucoup plus grande qui fait la différence en bout de ligne. Donc, je vous laisse là-dessus. So, please, guys, whatever you do, create what matters. Faites que ça soit beau. Faites que ça soit pertinent et surtout différent. Merci.